Et bonjour à tous, aujourd'hui il y a une nouvelle vidéo et comme on l'a vu dans le titre, aujourd'hui on va faire beaucoup d'argent grâce au casino. Et oui, cette semaine, c'est le casino finalement qui est mis à l'honneur, enfin les jobs du casino précisément. En effet les gars, grâce aux jobs du casino, on a les gains qui sont doublés cette semaine, ça sera plutôt sympathique. Mais en plus de ça, c'est également le défi, attendez on va regarder ça, si je me trompe pas, la défi hebdomadaire, on a 3 jobs du casino à faire. Agatha Baker, bon c'est la meuf que t'appelles, on sait ce qu'on va faire juste après. Et là vous voyez j'en ai déjà fait un pour tester et du coup il nous en reste 2 à faire et on gagnera 100 000 euros. Voilà, donc en plus des gains doublés, on a 100 000 dollars à la fin de la vidéo. Voilà, mais il faut se dépêcher, voilà, donc si tu rates cette vidéo rapidement, fais-le parce que tu auras 100 000 euros, enfin 100 000 dollars, j'ai de euros, dollars, t'as capté c'est dollars GTA. Bref, on commence, on va appeler Madame Baker, j'ai un petit pouce bleu, abonne-toi, c'est pas déjà fait. Et puis écoute, on est parti. Déjà, j'ai vu, il y a un mec qui m'a dit j'étais bourré. Enfin, non, pas bourré. Que j'étais sous drogue. Peut-être, peut-être, effectivement. Ça se trouve, c'est vrai que je me drogue avant de faire des vidéos. C'est possible, ouais, c'est. Après, j'ai pas besoin de dire, c'est un moteur, quoi. C'est un moteur, c'est un investissement. Madame Baker, bonjour, demandez un job. Oui. On a une machine à récupérer sur le quai. Oh, c'est loin. C'est loin. Normalement, c'est rapide, je crois, les jobs, donc c'est plutôt cool. C'est pas le truc. Arrête de parler pendant que je parle. Numéro de série, livrer les machines et intervenir en cas de problème. D'accord, tout ça pour ça en plus. Ok, je disais que normalement c'est pas quelque chose qui rapporte énormément. Mais en x2, toujours sympathique. Ils auraient pu mettre x3, voilà, ils auraient pu mettre x3. C'est le genre de truc où ils peuvent mettre x3 tranquillement. Mais ils l'ont pas fait. Bon, on va pas trop cracher dessus parce que c'est quand même un défi hebdomadaire. Donc, enfin, un défi hebdomadaire simple. Parce que faire 3 missions, c'est rapide, voilà, c'est rapide. On se prend pas trop la tête. De toute façon, je fais ça en plus en oppressor. Bon là, c'est vrai que je sais pas si j'en aurais besoin d'oppresseur, je sais pas s'il faut que je ramène un véhicule. Parce qu'en fait, il y a plusieurs types de missions, c'est soit des fois on ramène des véhicules, soit on tue des gens, soit on fait les deux. Voilà, comme ça au moins c'est... Wouah ! Ah ouais ! Ah oui, là je dis que mission rapide, mais ils m'ont mis la pire mission possible à faire en vidéo. Localiser le conteneur. Ah ça va, j'ai juste à passer à côté. Ça va. Ah oui, c'est juste à passer à côté, ça va. Ok, je pensais vraiment qu'il fallait que je vérifie. Ayep. C'est ça ? Mais... Voilà. Non mais c'est impossible, en vrai de vrai faut un peu être stratégique. GTA ils aiment pas mettre des trucs où il y a personne autour. Donc ça va pas être un où il y a personne. Ça va être un où il y aura un bateau. Oh, il y a pas de bateau, ok. Non mais après faut quand même... Allez. Non mais je vais me faire foutre. Ah non, faut que je passe devant peut-être. Non, voilà, tout ça pour que je passe devant. Mais je suis sûr là, ça sur le bateau, c'est obligé. C'est obligé, ça va être sur le bateau. Je vois pas d'autre intérêt Faut être un peu intelligent avec Rockstar. Voilà, c'était sûr. Prenez une photo du code. Bah, il est où le code? C'est ça le code? Le code sur le conteneur? Il y a un code. Ah, il est à gauche, merde. C'est ça le code? Attends. Attends, je suis un peu débile. Moi, je croyais que c'était le truc blanc à côté. C'est ça? On sait rien, on va vite comprendre. Hein. On va vite voir. Hop. Envoyez la photo. Nickel. J'ai eu peur là. Non, faut que je le refasse. Merde, je pensais que c'est mon joystick qui faisait de la merde parce que mon joystick est cassé. Mais non, mon joystick, pas mon joystick. Ouais. Envoyer photo. Faut que c'est moi qui cherche là. Et je comprends rien au jeu. Et des fois, il fait des trucs, je comprends pas. Allez, envoie la photo à Madame Baker parce qu'on va pas l'envoyer à Franklin. Il va se dire, qu'est-ce que tu me fous, frérot? Voyez le Skylift. Ah bah, c'était sûr, voilà. Mais par contre, j'ai pas besoin de tuer des gens. Voilà, c'est. Prends! Merci! Allez, go! Bonjour à tous. Hop, y'a personne dessus, puis il est open bar. Mais alors, ça, c'est parfait. Ah, mais oui, parce que le Skylift, si c'est assez. Ah, si, il faudra tuer des gens. Messieurs, excusez-moi. Je vous prends juste votre bien rapide. Après, limite, je vous le rends, je vous le ramène. Voilà, je vous le ramène. Bon, après, vous serez mort, mais ça, c'est plus tard. Ça, c'est après. Bref. C'est vrai que le Skylift, on peut l'acheter de base ou pas? Je crois pas qu'on puisse. Parce que c'est un peu stylé. Bah, après, ça a rien de l'avoir. C'est vrai que je me dis qu'on peut l'acheter. En soi, on peut même pas transporter des trucs à la base. Enfin, j'allais dire des conserves, là, qu'on s'appelle des conteneurs. Donc, avoir ça dans le jeu, déjà que la plupart des véhicules du jeu sont inutiles, si en plus on rajoute des trucs inutiles, encore plus. Bon. Attends, parce que là, c'est un peu chiant, donc. C'est un peu chiant, mais voilà. Ah oui, ok, c'est aidé quand même, c'est aidé. Livrer le conteneur au casino. Ok, tranquille, donc on aura fait une première mission. Normalement, s'il n'y a pas de dégâts, là c'est quand même plutôt rapide, ça veut dire qu'il nous restera une dernière mission à faire. On accepte. Alors, je sais pas combien on gagnera, par contre, c'est vrai que j'ai gagné, je crois, 20 000 ou 18 000 tout à l'heure. Vous voyez, c'est pas lourd, hein. Surtout quand c'est pas doublé. On gagne peut-être 9 000 dollars. Voilà, c'est pas fou, quoi. Vraiment, ça sert à rien. Mais je crois quand même que
Normalement, quand on fait des missions, il faut faire 13 missions du casino pour avoir une récompense, je crois. Parce qu'il y a 13 missions au total différentes et j'en ai fait que 2. Après, en même temps, bon, je voulais vous dire, est-ce que c'est vraiment hyper intéressant de faire des missions de casino? Je sais pas. Ah, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il faut quand même un... J'allais dire un penthouse, je sais pas comment on appelle ça, mais il faut quand même un appartement, quoi. Un appartement de casino, sinon ça marchera pas. C'est vrai que je vais vous le dire, j'ai oublié de vous le dire, mais voilà. Sinon, il faudra un ami qui a l'appart et vous êtes dans son orga, quoi. Voilà, et ça vous comptera aussi comme faire un défi. Voilà, j'arrive pas à parler, mais au calme. Ah, par contre, il est lent l'hélico, je le pose où là, cette merde? C'était bien gentil, mais à l'extérieur, attends. Bonjour, on va peut-être se prendre un arbre. Bonjour, Thierry aussi, d'accord. Ah, c'est là, ouah, je suis en débile. Ça marche? Ah non, ça marche pas. Voilà, nickel, 14 000 $. Ah, on a gagné des jetons aussi, des jetons. Ok, donc on gagne 19 000. Ouais, 19 000, parce qu'avec les jetons, quand tu les transformes en euros, voilà, donc on a 19 000 $, on prend. Écoutez, on va faire la dernière mission. Je sais pas s'il y a un temps. Bah, s'il y a un temps, faudrait que faire une pause. Faudrait faire une petite pause, prendre un latte, j'ai envie de te dire. Madame Baker, bonjour Madame Baker. Enfin, bonjour plutôt. Ah, passe un instant. Bon, bah, les gars, on se retrouve, on attend un petit peu, et puis dès qu'on est bon, on repart. Par contre, j'ai l'hélico, donc ça veut dire peut-être qu'on peut en acheter, non? Parce que là, l'hélico, il est vraiment avec moi. Bon, je pense pas. Imagine, il y a un glitch et je peux le mettre dans mon bunker. Bon, ça, c'est plus tard. Bref, à tout à l'heure. Ok, c'est bon, demande un job, on a attendu 5 minutes. Des problèmes de faux jetons, mais grâce à des interrogatoires. Le mec sait pas lire. Ok, super. Le mec est con, il sait pas parler, il sait pas lire. Ah, déjà, il a rien pour lui, quoi. Non, jetons plus. Oh merde. Non, jetons plus. Enfin, jetons. Oh là là. Ah ouais. Ah ouais, on est sur cette jeu de mots, quoi. Ah ouais, on est sur ce jeu de mots là, quoi. On dirait McFly. Bref, allez, ça c'est plus tard. Surtout que là, le jetons plus. Le jeu de mots, il passe qu'en français, non? Donc ça veut dire que là, il y a vraiment un mec chez Rockstar en français. Enfin, en France, du coup. Qui s'est quand même tapé un délire, ça pourquoi pas. Par contre, il y a un brouillard de. Oh, le brouillard de baiser. Pardon, avec tout le respect, faut que je parle bien. Voilà, excuse-moi. Maman, arrête, hein, quoi. Bref, place. Par contre, vraiment, mais tous les mots dans ce jeu me font rire. Madame Baker, bonjour, gardez à l'esprit que cette opération n'est pas supposée exister. Ouais. Oh, ouais, d'accord, si tu veux. Bon. Hélico. C'est vrai que j'ai gardé l'hélico quand même, mais bon, toujours important. Je sais pas où je vais là, en fait. Là. Éliminer les professionnels, ok. Ah. Donc là, je dois leur jeter, enfin, je dois leur voler des jetons. Bon, bah écoutez. C'est vrai que moi, je tiens un casino quand même, qui me sert à rien d'ailleurs. C'est vrai que le casino, d'ailleurs, je comprends pas. C'est que tu dépenses, en vrai, là, je suis quand même censé être président d'un casino, je crois. Enfin, dans le jeu, on va dire à peu près. Sauf qu'on ne gagne rien, en vrai. On gagne pas d'argent avec le casino. Limite on en perd, c'est à dire que tu peux y jouer au casino, tu perds de l'argent mais tu peux pas en gagner. Ça c'est une dinguerie parce que là je suis quand même des missions de casino. Alors que en soi je suis même pas le PDG, quoi. Ou alors si je le suis vraiment je suis le PDG le moins rentable de l'histoire. Je sais pas si vous imaginez quand même qu'un mec qui a un casino dans la vraie vie, il se fait, mais alors c'est voilà, il se fait des boules en or, voilà. Je voulais éviter de dire un gros mot. Éliminer les professionnels. Hop. Je sais pas s'ils ont peut-être des professionnels, ils ont déjà plus des voleurs, non? Enfin, je sais pas, ils ont tous des masques. Remarque, des voleurs sont professionnels en soi. Détruire les productions. Hop. On dirait des PC. Ah, peut-être pas non plus. Ouais, peut-être pas non plus. Ah, ok, c'est stylé. Ils font des contrefaçons de jetons. J'ai juré, c'est stylé. Enfin, ouais, par contre, c'est long là. Allez, merci. Ah, mais faut que je tape là-dessus. C'est des jetons ça? Ah, oui, ok. En effet. Par contre, les missions sont un peu stylées, tu vois. Ça sert un peu à rien. Mais j'aime bien, tu vois, on s'amuse un peu. On s'amuse. Hop. Encore deux. C'est bon là. Quitter la zone. Oh, ça va. Si c'est que ça, ça va. On prend un de vos véhicules. Voilà. Je préfère prendre celui-là que celui d'à côté. Voilà. Oh, une petite camionnette. Il y a quoi à l'arrière? Oh, il y a de la bouffe. Oh, génial. Super. Oh, eh ben, on gagne 19 000 $ à chaque fois. Ok, on a gagné 3. Attends, est-ce qu'on a le défi? Est-ce qu'on a les 100 000 $? Attention. Ou pas? Ils ont été ajoutés directement ou je suis con? Je les vois pas affichés là. Mais je sais pas si j'avais déjà. Merde. Il s'est pas affiché ce con. Bon bah les gars, on l'a gagné normalement. Mais il s'est pas affiché sur la vidéo. Ou alors j'ai pas vu, je suis une merde. Bah je le vois pas là. Mais je pense que c'est arrivé dans mon compte.
perso quoi, pas dans mon compte en banque. Bon, je sais pas, normalement, bah soit on l'a reçu, on l'a pas vu, soit on s'est fait douiller. Normalement, bah croyez-moi sur parole, on a reçu. Le mec, normalement, on a reçu. Maintenant, je crois qu'on s'est fait douiller, mais bon, ça c'est plus tard. Bon, en tout cas, voilà les gars, on aura fait un peu d'argent cette semaine, ça peut être plutôt tranquille. Faites surtout ça pour le défi en réalité, hein, parce que c'est vrai que ça rapporte pas des masses. On rapporte 20 000 dollars, c'est bien en vrai, 20 000 dollars peut-être en 5 minutes, mais en vrai, je pense qu'il y a des missions qui sont beaucoup plus rentables que ça. Wesh. C'est-à-dire, ça sert à quoi de me faire un cul de poisson là? Bref, en tout cas les gars, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine, c'est Pierre, allez, que des bonnes choses. Portez-vous bien. Et ciao.